vous allez bien. Petite vidéo tuto explicatif de la chorégraphie Cry Me a River de Justin Timberlake. Vu le temps qu'on a depuis quelques jours, je me suis dit, allez, ça va passer nickel. On y va, c'est parti. On prépare sa jambe droite derrière ici. Donc, nous allons faire les comptes rapides. Ça va faire 1, 2, 3, 4 ici. Porte de bras qui passe par devant. 5, 6, 7, 8. Au niveau des jambes, ça fait, ici quand on fait 1, 2, 3, 4, il n'y a rien. Et sur 5, 6, ici à l'intérieur, 5, 6, en dehors, 7, 8. D'accord? Suspension 5, 6, 7, 8 pour partir sur le et 1, 2. D'accord? Donc si nous faisons les bras et les jambes, ça donne ça. Ici on est en demi-point de préparation derrière. Et 1, 2, 3, 4, ici. 1, 2, 3, 4. 5, 6, reviens 7, 8, puis accent et 1, 2 et 3, 4. Refermez bien les pieds entre chaque, c'est accent et 1, reste 2 et 3, reste 4. Sur le et, vous refermez les pieds et 1, reste 2 et 3, reste 4. Faites bien attention à cette position. Vous êtes en position ici, contraction, d'accord? Vous êtes en contraction, donc arrondissez bien le bas du dos. Le haut du dos également, et vous avez le bras devant comme si vous regardiez l'heure, l'autre main dans le dos. Ce qui m'intéresse, ça va être suspend, le glisser, et boum, ici. Maintenant, vous allez reculer le pied droite, et l'autre pied va revenir à la même distance, ici sur le côté. Vous étiez là, ça va faire en arrière, ici le bras, en arrière, l'autre bras, cambré, je regarde en arrière l'autre bras et je reviens ici. Donc, poum, poum, un bras, l'autre, c'est rapide. Poum, poum, cambré et on revient tout de suite. Hop, hop, puis on était sur tendu. Nous allons faire avec les coudes, poum, poum. On propose quelque chose. Si je me mets de face, ça fait poum, poum. Les coudes sont rapprochés ici, les mains. Position pelle à tarte, d'accord? Poum, poum, d'ici. On revoit pour les comptes depuis le début. 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, dedans, 6, 7, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, ici. D'accord? On fait ça en musique? Tout de suite, ça va vous motiver plus, j'en suis sûre. Attention. J'arrête un instant la musique. Donc, ce que j'aimerais vraiment dans cette chorégraphie, c'est insister sur les dynamiques, ce qu'on a déjà commencé à faire la semaine dernière sur la chorégraphie Revolve, avec l'accent. J'aimerais vraiment les changements de niveau. Je suspends et bam, l'accent. Mais comment on va réussir à faire l'accent? C'est en impactant, en donnant quelque chose de plus, une force et un bras très rigide. Si vous faites poum et ça continue, ça ne va pas aller. Bam, direct. Placez vos bras, ne bougent plus après. Donc c'est vraiment ralenti, boum, accent. C'est vraiment ça que j'aimerais qu'on travaille. C'est ce qui va donner beaucoup plus de dimension à votre danse, d'accord? Ce sera moins linéaire pour le coup. Alors, donc ça fait et 1, 2, 3, 4. Ici arrière, comptez 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. D'ici, on continue quand même parce qu'on a bien appris. Nous sommes là. Maintenant, nous avons fait poum, poum. D'ici, mon pied va faire talon, orteil. Alors, j'en décale ici pour que vous puissiez peut-être voir. Talon, orteil, talon. Et après, on va tomber dessus. Encore. Talon, orteil, talon. Je suis donc en parallèle. Et mon pied va se retourner pour pouvoir accéder. Au niveau des bras,
talon, mon bras va continuer à se développer, d'accord? 5, 6, 7 et poum, poum, poum. Je vais aller chercher ici dessus. Suspends. Ici, je relâche. Encore. 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. D'accord? Donc, poum, poum, poum. On va y aller ensuite direct et c'est maintenant que je repousse. C'est mes mains qui vont m'aider à repousser le pied pour aller à l'opposé et revenir dessus. C'est un aller-retour, d'accord? Donc j'ai fait poum, poum, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. Dans celui-là, le regard est là, ici en diagonale légèrement pour aller rechercher ici, d'accord? Si je le fais de profil, comme c'est prévu. Moi, je fais tout à gauche pour que vous le fassiez en miroir, que ce soit normalement à droite. D'accord? Donc, poum, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8, dans l'idéal. D'accord? Une fois que nous sommes arrivés ici, nous allons transférer notre poids du corps de l'autre côté en quatrième position. Si je me mets de face, nous étions donc là. Je vais transférer ici mon poids pour pouvoir faire un compass turn. Qu'est-ce que c'est un compass turn? C'est un tour compas. Vous visualisez ici le pic du compas et là le crayon pour faire un tour. La jambe reste sur le côté. Les bras sont étirés ici au niveau des lignes. Tirez sur vos bras. N'oubliez pas, très important dans cette chorégraphie, les lignes, les accents. D'accord? Nous en étions où? Si je suis ici, je transforme et dans l'élan, je fais celui-là. Je regarde au niveau au-dessus de ma main, je pointe mon pied, d'accord? Maintenant, si je le fais réellement dans la vraie direction dans laquelle nous sommes censés être, j'étais ici, je passe là, je tourne, d'ici, attention, contraction avec les mains devant, poum, poum, donc ça fait suspension, poum, poum, poum au niveau des pieds. Ce qui veut dire, j'ai terminé mon compas plein, je suis là, je croise devant, je libère côté, et je vais ici sur le côté. Trois pas. Je suis la suspension, j'arrête. Ça fait 1, 2, et à 3, je place ici mes mains au niveau de la tête. Vraiment, ne faites pas semblant. Comme si votre tête était serrée comme dans un étau, d'accord? Vraiment. Donc, nous avons fini notre compass turn. Là, contracte. Hop, hop. Reste ici. Puis, en bas, remonte. Là, c'est comme un snake. Je laisse aller le haut du corps, je plie les jambes. Je suis en suspension. Poum, poum, vraiment. Libérez-vous celui-là, un petit peu façon folle, etc. D'accord? 5, 6, 7 et poum, poum, reste ici. Ok, on va essayer déjà tout ça en musique, c'est parti. Ça va déjà être pas mal, ça. Alors... Moi, je reviens en arrière.